bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur South Park, l'anal du destin. Nous en sommes à l'épisode 3 et dans l'épisode 2, on avait fait pas mal de choses. On avait aussi fouillé toutes les maisons du voisinage. On va être un petit peu plus tranquille. Néanmoins, on avait pas mal de quêtes qui s'offraient à nous, dont un ami Kyle qui nous a rejoint dans notre quête totalement dingue. Alors vous êtes nombreux à m'avoir dit B-Boy, B-Boy, appuie sur costume, tu peux changer de costume, t'as un inventaire et tout. Vous inquiétez pas, je comptais le faire. C'est juste que c'est pas mal dans les deux premiers épisodes au moins d'avancer un petit peu dans l'histoire, histoire que vous soyez vraiment dedans. Là on peut se permettre par contre de prendre un petit peu notre temps et se faire un petit costume assez sympa. Alors voilà ce qu'on va faire. Vous savez quoi, je crois qu'on va changer à chaque fois de costume. Ça me tente bien, donc on va mettre ça. À chaque fois on va changer de costume. Chaque épisode un nouveau costume, ça me paraît cool. Et puis on verra tout simplement ce que ça peut donner. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans les mains? On peut avoir des mains plutôt de type classique. Ça me paraît pas mal non plus. Lunettes. Ah, l'homme masqué. Vous savez comment on m'appelle? On m'appelle Bonnet M. Alors Bonnet M c'est quoi pour ceux qui ont 10 ans, les gars? Bonnet M c'est avant tout un chanteur, d'accord? Et c'était aussi un jeu de mots parce que, bien évidemment, j'ai un bonnet sur la tête, enfin un soutien-gorge. Mais bon, bref, les gars, faites un effort, d'accord? Faites un effort, ça commence à m'énerver. On va garder ma coupe de cheveux et la pilosité, on va pas la changer, le maquillage non plus. On est pas mal, on a notre petite tenue du jour et on va pouvoir avancer dans notre aventure. Là, on est réellement pas mal. Alors, avant cela, je voulais faire quelque chose de très intéressant. C'était afficher la map, tout simplement pour, bougez pas, prendre une quête. Qui va être, on va prendre quelle quête? On va prendre les chaînes de Super Craig. On va tracer un petit peu l'histoire principale, on fera les quêtes annexes. Avec le temps, il n'y a pas de souci là-dessus. Et cette quête est où? Cette quête est où? Elle est à gauche. Oh, il y a même, bah tu vois, il y a même une mission secondaire sur la gauche. Oui, je dis, bah tu vois, oui, je te tutoie. Je pars du principe que toi et moi, nous sommes amis pour la vie déjà. Et que tout se passe bien. Je peux pas lui parler? Hey, tu as été plutôt méchant avec moi tout à l'heure, mais j'imagine que tu le regrettes et j'ai pas eu le temps de lire. Ça a été beaucoup trop rapide. On ira faire un tour sur Instagram à la fin de cet épisode, les gars, pour voir un petit peu ce qui se dit. En attendant, on va enfin changer de quartier. Et ça, c'est totalement incroyable. Et je suis désolé si des gens se connectent. Je vais retirer, bougez pas. Voilà, désolé, je me suis mis en ne pas déranger. Normalement, il n'y aura plus de notifs. Ce sont des sixièmes, les créatures les plus viles et maléfiques de l'univers des super-héros. Sérieux, vous êtes trop cons. Tout le monde sait que c'est la mère de... Les sixièmes sont bien trop forts pour toi. Continue de marcher comme si de rien n'était. Ne les regarde pas. Hé, hey, regardez, un débile de CM1. Tu ferais bien de te casser vite fait, bolos. J'ai envie de les arracher. J'ai envie de les arracher quand même. Non, ah oui, d'accord. Et tu vas me faire quoi? Ah d'accord, tu te fais direct tabasser. Ah tu, y a pas de combat en fait, y a pas de combat possible, ok. Ce sont des sixièmes, les créatures les plus viles et maléfiques de l'univers. Ah bah on va les tracer, on va les tracer. Sérieux, les mecs. Vous êtes trop cons, tout le monde sait que c'est la mère de Kiefer qui a les plus beaux nichons. Oh okay. Mec, vas-y, parle pas des sons de ma mère. Mal. Et ça, tu vas me faire quoi? Bourg de ville, je vais okay, te péter la gueule et après je vais éclater le cul de ta putain de grenouille. Les grenouilles n'ont pas de cul, elles ont un cloaque. Ok. Appuie sur Y. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette connerie? D'accord, c'est pour prendre l'avantage sur le combat. Ok, donc là on a deux personnages. C'est beaucoup mieux, ça grandit. Sur les arrières. La justice vient du ciel. Tu l'as mis dans les cordes. La justice vient du ciel, putain j'en peux plus. Réfléchis pas trop, Troduc, suis ton cœur. J'en peux plus. Ah putain, j'ai réussi un. Le harceleur devient le harcelé. C'est toujours moi le harceleur. 1 sur 3, donc c'est à lui d'attaquer, vous l'aurez compris. On a le système de tour en bas à droite. Quoi? Appuyer sur A lors de l'attaque d'un ennemi accélère le rechargement de ta jauge d'ultime et déclenche la récupération de ta santé. D'accord. Pour essayer, appuie sur A. Ah, c'est dégueu. Mais il m'a mis le doigt dans l'oreille. Dégueulasse. Ok, c'est bon, il vomit. Il prend feu. Ah bah là, on fait la totale. Planer sur une brise de justice. C'est terminé pour lui. Ok, ça me paraît pas mal. Attends, pourquoi il peut se balader? Ah, ok, attendez. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Je peux faire ça. Je peux faire ça, ne bougez pas. Ah putain, je peux me déplacer qu'ici. Il n'y a que B qui va fonctionner. Hein. Il n'y a que B qui va fonctionner. Pas de soucis, je te coupe. Ah, c'est un bouclier, d'accord, c'est un support. My bad. Très bien. Très très bien, c'est un support. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire B. Comme ça, je touche pas le frérot. Le vent tourne. La ferme, le CM1.
C'est mon tour maintenant. C'est mon tour maintenant. Dorsum, okay. Téton. Oh, ça avait l'air. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur un. Merde, c'est terrible. Ça fait mal, les gars. Un petit coup sur le téton comme ça. Ça peut chicoter un petit peu. Hein. Ça peut chicoter. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a d'intéressant à faire? On peut se mettre ici et on peut le taper comme ça. Ah putain! Brûlure intense en préparation. Je foire tous mes coups là, les gars. C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Mais. Aïe! Oui, c'était génial ça! Faut attendre que le cercle soit au Comment plus proche ou faut le faire de direct? Des CM1. Tu demanderas à ton petit copain de Ok, c'est bon, j'ai récupéré un HP et bientôt l'ulti. Il prend feu, c'est terminé pour lui. Ascendant, on recharge mes yeux laser. L'homme cerf-volant est prêt. Ok, d'accord. C'est terminé pour lui. Vaudrait mieux un peu de crème là-dessus. J'ai toujours pas compris, j'ai appuyé sur A, mais. On va essayer encore ce coup-là. Non, ok, j'ai bombardé, ça a pas marché. Tu l'as battu, tu m'as sauvé. Je pense qu'il faut attendre que le cercle soit pile poil au milieu. Pourtant, au début, je bombardais. J'avais souvenir que je bombardais. Touffe de poils de chat. Ah, on a trouvé 3 touffes. C'est toujours sympa, les gars. J'adore tout ce qui est poils de chat à la base. Ok, on est niveau 2. Bas 10, 6ème. Wow, bon travail de nouveau. T'es venu à bout d'un 6ème. Continue. Ouais, il en reste 9 quand même. Il en reste 9. Tiens, on va fouiller les garages. Ah, on peut pas. Malheureusement, ça c'est bien triste. Hop, on va fouiller. Commande par correspondance, lunettes à rayon X. D'accord, très bien. Tu veux vraiment un selfie avec moi? Vas-y, frérot. T'es dégueulasse, mais bon, si on peut faire quelque chose. Ok, Peter Mullane. Hop. Regardez, t'as passé 6ème, c'était trop cool. J'espère devenir fort, moi aussi, un jour. Non, c'est hors de question. Tu ne seras jamais fort, malheureusement. Tu es condamné. On va peut-être pas fouiller. Allez, on va fouiller cette. Ah, on va peut-être pas fouiller la maison tout de suite. Parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit, ouais. Essaye de pas trop fouiller parce qu'on peut s'ennuyer. On va y aller, on va pas tracer non plus. Tu approches de la forteresse de la solitude de Super Craig. Il ne répond pas. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ok, c'est ici les gars. Citoyen, bonjour. C'est moi, Super Craig. Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure d'aider à résoudre les problèmes des autres. Super Craig ne trouve plus son cochon d'Inde. Va dire au Coon que je ne jouerai plus avec lui tant que je n'aurai pas retrouvé Stripe. Ce n'est pas un cochon d'Inde ordinaire, c'est celui que je partage avec mon ex-petit copain. Tu as bien compris, Super Craig est gay. J'imagine que Stripe est encore allé se fourrer quelque part dans la cave. On devrait commencer par la cave, c'est là que je l'ai vu en dernier. Ok. Ed Craig a attrapé son cochon d'Inde. Peut-être qu'il a senti les croquettes pour chien en bas. Oui, non mais c'est pas possible, tu vas m'enfermer dans la cave, gros. Ok, on va essayer de fouiller dans la cave. Je vais rester près des escaliers pour l'empêcher de s'échapper. Toi, tu t'occupes du reste, Truduc. Fais attention, c'est peut-être la mission la plus délicate de ta vie. Ok, il a une voix de daron. Regarde, cette voix-là, elle est pas... Tout en haut. Méga ouf, il est où? Ah yes, je le vois, ok, je le vois tout là-haut. D'accord, on va devoir déplacer quelque chose. T'as pas de super pouvoir qui étire les bras à l'infini, Truduc. Ok... Quoi? Claque-doigt débloqué, d'accord. Ah, génial, ça pourrait bien être utile. Ok, utilise des pétards pour dégommer. Merde, j'ai fait le con. Ok, comment on peut faire? Flèche du haut? Non, ça c'est le paix. Je suis vraiment désolé, ça a tendance à trop m'échapper. Ah, faut passer en mode inspection. Et appuyer, ok. Recommence. Mais non, mais le pauvre. Il va mourir en fait. Waouh, on y est presque. Lâche pas ce cochon d'Inde. Il se fout de ma gueule! Vite, frappe ce carton avec ton truc! Ok. D'accord. C'est pas les meilleurs des pouvoirs. Oh oh. Adieu! Oh putain! J'arrive pas à croire que t'aies fait ça! T'es vachement doué! Ok, il est là. Waouh, ça avait l'air d'exiger tellement de talent! Je ne peux pas l'attraper! Ouais, Stripe, un super sauvetage. Mais j'étais pas tout seul. Il faut aussi remercier Truduc et son cul tout pourri. Quel bâtard. T'as reçu le noob. Si t'as besoin d'aide, tu peux compter sur Super Craig. Ok, ami de combat débloqué, Super Craig. Ça Stripe fait plaisir. Est le meilleur partenaire super-héros qu'un Super Craig puisse espérer. Ah ouais, évidemment. Qui n'aurait pas envie de faire un selfie avec Craig d'acier? Ok, on va faire un petit selfie avec lui. Hop, un ami supplémentaire. Ah d'accord, il est blasé. Il est totalement blasé, Craig. À la prochaine, trop machin truc. Trop machin truc, putain. Ce non-respect qu'ils ont à chaque fois, c'est terrible. C'est ce que j'aime, les gars. C'est ce que j'aime et ça fait rire. Un super et ça, sans Stripe, c'est comme Supergirl sans vélo. J'achète.
Allez, on se casse. On se casse, les gars. Bon, cette mission, c'est fait. Oh, il y a le papa, il est revenu. On va tout fouiller, hein, on en profite, les gars. Oh, un burrito. Consommable, je prends. C'est des objets de soins, hein, vous l'aurez compris. Recette de sérum de réanimation, encore une fois. Hop, j'ai des follow back. Tiens, frérot. Hé, hey, toi, tu serais pas un ami de Craig? Tu cherches Craig? Moi, disons que je suis un collectionneur d'art spécialisé dans une forme d'art asiatique délicieusement moderne et extrêmement troublante appelée yaoi. Dingue, non? Mais certains acheteurs sont prêts à payer ça une fortune. Si t'en trouves au cours de tes aventures, apporte-les-moi. Je saurais te remercier. Reviens dès que t'en auras trouvé d'autres. Alors justement, on en parlait lors de l'épisode précédent, c'est pas yaoi, c'est yaoi, voilà, ça se prononce yaoi, c'est du japonais, et c'est une culture japonaise qui met en avant les garçons, c'est la sexualité des hommes entre hommes, donc de l'homosexualité, et voilà, au Japon, c'est assez assez connu. Si tu trouves d'autres œuvres pour ma collection. Mais j'en ai justement, tiens, prends gros. Oh, salut le nouveau, à quoi jouent les enfants aujourd'hui? Mais attends, je peux pas lui donner. Que tu es dans l'équipe de Craig, garde un œil sur mon fils, tu veux? Ok, c'est pas grave, je pensais que je pouvais lui donner. J'en avais trouvé une, mais j'ai pas pu lui donner. On va peut-être fouiller, eh, on peut lui choper, lui il en a forcément quelque part lui, hein. Du yaoi, hop. Non, il en a pas, peut-être dans la chambre de... d'à côté. On est parti. C'est bizarre parce que quand on ouvre les armoires, on a une sorte de vue globale de l'armoire. Et là si je pète... J'ai l'impression que mes pets sont beaucoup plus impressionnants. Je sais pas ce que ça cache, est-ce que je dois aller aux toilettes? J'en ai aucune idée. Mais avant c'était un petit pet. Là, les gars, c'est monstrueux. Ah non, là c'est un... Ah, d'accord. Attendez. D'accord. Triangle, c'est the pet. Et ça, la gâchette, c'est le petit pet. Le petit pet tranquille, gros. Oh là là. On va se mettre ce qu'on mérite, là, les gars. On va se mettre ce qu'on... C'est bon, il y a personne, je vérifie. Je fais un petit tour de pièce. Il y a personne, c'est terminé. Abandonnez les chiottes, c'est terminé pour vous. Hop, on est bon. Mets les gaz. On bombarde. C'est pas mal. On bouge le boule. Hop, la crotte est tombée. Et c'est parfait. On commence à devenir des pros de la merde, hein, littéralement. D'ailleurs, je crois qu'on a gagné un niveau de merde. On a gagné un niveau de merde. J'ai pas envie de vous dire nimp. Je peux pas ouvrir ici, là où il y a la plante. Ok. Je dois mettre une pancarte sur ma porte. Les garçons trop cons sont interdits. Hop, on va tout fouiller. Alors toi, par contre, non, tu me parles mal. Non, récupère plus de yaoi pour mon père et je réfléchirai. Ah. Qu'est-ce que tu me veux? Tu vois pas que je suis occupée? Mais ils sont fans de chevaux, en fait, dans le jeu. C'est terrible. C'est vrai que les chevaux, c'est quand même le feu, hein, les gars. Tu regardes un cheval, t'es obligé de rigoler. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il te raconte une blague quand tu le regardes, mais tu ne le sais pas, en fait. C'est énorme. J'adore les chevaux, voilà. J'ai une passion pour les chevaux. Si je pouvais être un cheval, ça serait un rêve. Je ne peux pas rêver de meilleur super partenaire. Stripped est d'une loyauté absolue et n'est pas contrarié si le projet de franchise le prévoit. Et j'ai pas le temps de voir. Pas mal, le nouveau, pas mal. T'as obtenu quelques followers sur Instagram, j'avoue. Mais c'est loin de suffire. Je pense que tu es prêt pour l'étape suivante. Reviens au Robert Bull. Terminé. Là, on a des trucs, hein. Aïe, 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 je peux pas l'ouvrir. Retourne au Robert du Coon. On va y retourner. Ah, je peux pas l'ouvrir. Ça me fait mal tout ça, les gars, ce que vous me dites. Ça me fait extrêmement mal. On va retourner au repère. Oh, on fouillera plus tard. Allez, juste cette maison, les mecs. Juste cette maison. Eh, si je peux gratter un petit selfie, les gars, c'est normal. Pas beaucoup d'infos aujourd'hui. On est parti pour une semaine tranquille. Eh ben, tant mieux. Te plains pas, mon grand. Hop. On va tout fouiller. On est bon. On a ramassé pas mal de petits trucs. Toujours bon à prendre. Hop. Je parie que toi et Bradley, vous vous en... Allez, tu m'as saoulé. Hop, on lâche une petite perle en plein milieu, ni vu ni connu. Personne m'a entendu. Waouh! Fufu, qu'est-ce que tu fais là, gros? Un selfie? Tu te moques de moi? Ok. Dégage! Personne veut mon selfie. Je refuse d'adhérer au réseau social. Comment il s'appelle, lui, déjà? Là, tout de suite, j'ai autre chose à faire que des selfies. Ah, je sais plus comment il s'appelle, rappelez-le-moi en commentaire, les mecs. J'ai regardé tellement de séries animées ces derniers temps, entre American Dad, je me les suis tous tapés, les Griffins et tout, que là, oh là là, tout se mélange. Oh, il y a du yaoi. Il y a du yaoi, attendez. Attendez, attendez. Yes! Boum! Soumission du SEM.
Ok, on peut continuer, c'est bon ça. On a pas mal... Eh, vous avez vu, j'ai l'œil. Oh là là, on va chier nos grands morts. Toutes les chiottes sont bonnes à prendre, hein. Vous savez ce qu'on dit, hein. Une bonne gastro n'attend pas. Ok, là, ça me paraît plus compliqué. Va falloir observer. Là, il y a trois étapes. Ça, c'est un gros caca, les gars. Ça fait longtemps que j'ai pas chié autant, hein. Je vais être honnête avec vous. Ça annonce déjà une belle vidéo de merde. Putain, il y a trop de choses à faire en même temps. On est bon. On est bon, on est bon. C'est propre. On gagne du niveau, les gars. Utilisateur de chiottes, maître. On est bon, on est bon. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose. On va aller retourner... on va retourner voir le frérot, les gars. Attendez, attendez, attendez. Je me pose une question. Ok, non, je pensais à un truc. Je pensais à un truc, mais c'était... C'était pas bon. Attendez. Par exemple, si je fais ça. Ouais. Ça bouge, mais ça peut pas faire tomber si je fais ça. Ah! Ah, ça bouge pas mal! Ça bouge pas mal, mais c'est pas tombé non plus. Ok, on peut y aller. Les gars, étant donné que c'est la maison de Fufu... T'es censé venir de quelle planète, gamin? On se lâche un petit peu, c'est cadeau, Fufu, c'est moi qui régale. Direction, les amis! Direction chez Cartman! Stop, le nouveau, stop! Tu vois ces petites briques de Lego rouge? C'est de la lave. Si tu essaies de la traverser, tu crèves. Ne la touche pas! Attends, mais ça n'a aucun sens. Qui mettrait de la lave ici? Moi! Prenez ça, la bande de Professeur Kao! Exact, Kuhn! J'ai placé de la lave aux endroits stratégiques de la ville. Sinon, ce serait trop facile. Ce monde manquerait d'intérêt sans un peu de... Kao! C'est bon, on peut couper. On s'occupera de Kao en temps voulu. Pour l'instant, ne perdons pas de vue notre objectif. Kuhn, terminé! Ok, on s'occupera donc de Kao en temps voulu. On va repasser devant les sixièmes, hein. Ça risque d'être terrible. Aide-moi. Matza, frère! Ok, on trace, on trace. Celui-là, je l'ai appris d'Usher, bande de petites salopes! Oh putain, j'aurais dû le voir! Jamais vous ne pourrez m'égaler, bande de tampons usagés! Je l'ai appris d'Usher. J'aime bien, j'aime bien. Moi, ça me fait rire, ça me fait rire, les gars. Que ce soit en VO ou VF, enfin, en fausse VF, et eh ben moi, ça me fait rire, c'est le principal. Et j'espère que vous vous détendez, c'est aussi le but de ces vidéos. Le but n'est pas de jeter la pierre sur qui que ce soit Ubisoft, les doubleurs ou autres. On s'en bat les couilles, les gars, on est là pour s'amuser, passer, occuper nos journées, occuper vos journées et passer un bon moment tous ensemble. Donc, kiffer un maximum. Attendez, les gars. Merde, je me gourre à chaque fois de touche, je suis vraiment désolé. Ok. Ouais, c'est bien là que je dois être. C'est bien la maison... Non, c'est pas la maison de Kyle. Mais non, je dois retourner ici, alors. Je dois retourner juste à gauche. Je suis allé beaucoup trop loin, les gars. Autant pour moi, désolé. Je vais toujours trop loin. Mais oui, c'est là la maison de Cartman. Alors... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est bien, il y a de l'animation en ville, hein. Tu vois des gens qui traînent un peu? Ok, on va y aller, les gars. Oh, toujours le même mot de passe. Qui est... Nick. Ta. Mère. Voilà. Ah, te voilà, Trouduc. Devenir un super-héros, c'est plus dur que tu croyais, pas vrai? Bon, t'es vraiment un gros naze, mais j'ai quand même pitié de toi. Comme ton père a baisé ta mère quand t'étais gamin, tout ça. Viens par ici. Je vais t'apprendre 2-3 trucs sur les artefacts. La plupart des héros boostent leur capacité grâce à un équipement spécialisé. Tu vois ça? C'est un artefact de puissance. Tu trouveras des trucs comme ça un peu partout en ville. Le truc, c'est de les mettre dans tes emplacements d'artefacts. Vas-y, essaie pour voir. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Un hand spinner! Bah grâce à ça, la vidéo, elle va buzzer. Artefact, lance la pierre artefact. Chaque artefact a un emplacement spécial sur ton corps. Utilise celui-ci pour booster tes stats. D'accord. Pas mal. Ok, donc c'est un arbre de compétences finalement. J'ai combien d'artefacts en tout? Le hand spinner. Super gadget de série remis aux nouveaux venus de la bande. Te permet d'équiper. Ok, ça vaut pas trop le coup. Ça, ça vaut le coup, j'ai bien l'impression. Hein. Dégâts d'effet d'état 20%. Donc mon feu infligera 20% supplémentaire. C'est pas mal. Puissance 40, ok c'est tout. Les artefacts augmentent ta puissance qui détermine la force de combat de ton équipe. Pour vaincre des ennemis plus forts, équipe-toi d'artefacts plus puissants. Améliore ton rang de héros pour débloquer de nouveaux emplacements. Ça va t'expliquer un peu au début. D'artefacts. Ton matériel est en train de fusionner avec... Tu trouveras d'autres artefacts au cours de tes aventures de super-héros. Et tu peux même en construire toi-même. N'oublie pas, de grands pouvoirs, ça veut dire des meufs canons et beaucoup de pognon.
Je pense que maintenant tu es prêt à affronter ces sixièmes. Va leur péter la gueule. Ah, là tu me fais plaisir. Oh, une petite boutique PayPal. Acheter, vendre. Ok, 50 centimes. Là, ah mais c'est pas si cher, hein. J'ai quand même 6,62$, sachant qu'avec avec le Season Pass, j'ai gagné 3,50$ d'office. Pas grand chose d'intéressant, hein. Pas grand chose d'intéressant. Pas ouf. Non, je trouve pas ça. C'est des artefacts, ça. Non, c'est des recettes. Si vous trouvez pas le produit que vous cherchez, veuillez formuler une requête manuscrite. Ok, ouais, c'est pas... Ok, on a fait un petit tour, À la boutique officielle de Kun et sa bande. D'accord, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu peux faire tes trucs de super-héros, le nouveau. Ah, je vois que t'as remarqué mes autres costumes pour l'émission spéciale. La tenue à quoi c'était quand le professeur K.O. a essayé de mettre une évacuation au fond de la mare de Stark. L'armure, je l'ai créée pour me protéger contre les lasers de l'homme cerf-volant, au cas où il se retournerait contre moi. D'accord. On en apprend un petit peu plus, tiens. Ça, c'est le Kun vélo. J'ai aussi commencé à concevoir le Kun bateau, le Kun avion et le Kun fauteuil roulant. D'accord. C'est sympa. Allez, on se casse. Attendez. Ah, je peux pas lâcher de paix. Ah, c'est bon. Ok, je peux pas lâcher de paix dans les escaliers. Dans les escaliers, c'est beaucoup trop dangereux, donc on évite de lâcher des paix. Des nouvelles incroyables. Le système de déplacement rapide est fonctionnel. Oh, ça, ça m'intéresse. Attends. Attends. Explique-moi. Ok. Et comment on fait? Comment on fait pour courir, alors? Ah, d'accord. En fait, Craig et tout, des fois, ils postent des trucs, mais c'est excellent. En fonction de comment on avance dans l'aventure. Je ne peux pas rêver de meilleurs super partenaires, strippés d'une loyauté absolue et n'est pas contrarié si le projet de franchise le prévoit. D'accord. Énorme. J'aime bien, les gars, j'aime bien. Ok. On va botter le cul des sixièmes, les mecs. Et après, on va pouvoir s'arrêter là. On aura fait une bonne partie. Attendez, comment on accélère? Alors, il a dit que... On peut pas, en fait. C'est peut-être un mensonge. C'est peut-être totalement un mensonge. Ça a l'air d'être totalement un mensonge. Minou, viens là. Viens, Minou. Ok, on va s'en occuper. Balance-moi un caillou. Non, c'est à moi de lui lancer un caillou. Par ici, Minou. Viens. Balance un pétard, okay, à la place. Non, ceux-là sont super rush. Donne-moi la pierre. Faut ça. Vas-y, allume ce truc. Ok, c'est bon, on l'a frappé. Bah, les sixièmes. Alors là, attention, là, ça va être un long combat. On va Je pense pas que ça va être évident. Pas de quartier, les mecs. Jolie tenue, ouais. Ok, je vais m'en occuper. Ce que tu sais faire, le nouveau. Difficulté des combats, cool. Les héros ont un avantage. Héroïque, les alliés et les ennemis sont de force équivalente. Et génie, les ennemis ont un avantage. Bah, héroïque, normal, quoi. Le mode normal, hein, on va pas... Tu peux changer la difficulté des combats dans le menu pause. Bah non, ça... La difficulté, c'était un troll, c'était pour la couleur de peau, en fait, en début de jeu. C'est bien cela. Réveillez-moi quand c'est mon tour. Ok, on va faire ça, et là, je peux le toucher, normalement, sans aucun problème. Quoique, si je fais ça, c'est même plus intéressant. Allez. Ça touche les deux. Il a perdu pas mal de vie grâce à mon pétard. Pourquoi pas, vous ? Attends. Ah, ne te laisse pas abattre, Trouduc. Ok, je suis atteint du dégoût, c'est comme un poison. Plus grand bien. Tu t'en es sorti comme un champion. Putain, je pense que je mérite de ouf, hein, les gars. Pour des CM1, vous êtes du genre bagarreur. Encore. Et regardez pas les PD. Laser activé. Ok, il prévoit quelque chose de ouf, lui. Oh là là, c'est compliqué. Ok, un bouclier pour tous. Rafale galvanisant. Et voilà un bouclier absorbeur de dégâts. Ah, merci. Ah putain, c'était pas le bon. Le pouvoir blocage de Craig lui permet de dévier les dégâts. Tiens, vas-y. Les pouvoirs de blocage devient les dégâts jusqu'à la fin du tour suivant. Un personnage bloqueur n'accuse de dégâts que s'il est repoussé ou frappé suffisamment fort. D'accord. Essaye le pouvoir bloquant de Craig en appuyant... C'est parti. ...sur triangle. Ok, on va pas l'essayer donc. Ok, qu'est-ce qu'on a comme sort là? On a un pouvoir de repousse. Malheureusement, je peux pas le faire sur lui. Sur lui, je peux le faire. Mais il y a personne derrière. C'est un petit peu terrible ce qui se passe. Ok, lui, ça me paraît pas mal. Méga oh putain! C'est puissant et ça repousse l'ennemi. Merde! Pas besoin de nous raconter ta vie. Ok, là les gars, il y a un problème.
Il y a clairement un problème. Oh là là, ils sont pas alignés, c'est terrible. On va faire une combustion et on va viser lui. Mais vous voyez, les deux premières sont passées, mais pas après. Ok, c'est pas mal, il prend feu normalement. C'est l'heure du médicament, les CM1. Je vais mourir. Ça craint pour toi, le nouveau. Je vais totalement mourir. Bon, qui sera le suivant à avoir droit à ma rage? Gah! Trouduc a l'air tout mort. J'ai pris ce que je méritais, j'ai pris ce que je méritais. Je sais pas si je peux me raise. Aïe! Ok, tu peux utiliser des objets pour animer les membres d'équipe à terre. Je veux des détails. Quand tous tes héros sont à terre, tu perds le combat. Oui, ça j'ai compris. Accède à ton menu objet en appuyant sur flèche du haut et sélectionne le sérum de réanimation. Voilà. Cible le membre de l'équipe et ranime-le en appuyant sur... C'est le moment d'y aller au laser. Ah, ok. Sérum de réanimation, c'est lui. Ok, normalement on est bon. Sélectionne une cible. Maintenant, monte dans le ciel. Oh, c'est vrai, tu peux pas voler. Ok, c'est bon. Par contre, 20 HP, c'est terrible, hein, les gars. Essaie de pas crever, le nouveau. Ok, 20 HP, c'est putain de terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que par hasard, je vais pas bouffer un truc? Non. Non, je suis bolzy. J'ai des couilles. On va faire le laser. C'est comme ça qu'on fait mal. J'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais dû le mettre en combustion. Allez, c'est parti. Ok, c'est pas mal. On va faire celui-ci cette fois. Ce mouvement est génial. Je me sens si lourd. Ok. Ah, il peut se déplacer. Il peut pas se déplacer en fait. Par contre, il peut me jeter quand même. Une crotte de nez. D'accord. Et voilà, mec. Ok, hop, bouclier, c'est toi qui régale, t'es pas bien. Plus 46, sacré bouclier. Il a l'air en forme, le nouveau. Ok. T'es un homme mort. Mais je comprends pas, je comprends pas, faut m'expliquer. Je suis pas plus con qu'un autre apparemment, mais là, les gars, c'est un mystère. Là, j'ai essayé d'attendre un petit peu, tu vois, que ça soit près du centre. Bon, c'est pas grave, on a battu pas mal de 6e, on a battu 4. Carrément charmé. On forme une super équipe. Génial, c'était trop cool. Attends que toute la ville apprenne que le Coon et sa bande ont éclaté 4 6e. C'est de la bombe pour notre franchise. Bon, après, ça craint un peu pour toi parce que les 6e vont vouloir se venger. T'aurais sans doute pas dû faire ça, c'était vraiment con. Bon, allez, va choper d'autres followers pour notre franchise. Et bon, ça c'est une bonne chose de faite, les gars. Maintenant, il faut de nouveaux followers. Est-ce que toi tu veux bien être... Non, tu veux pas. Tu veux pas, y'a que les attends gens immobiles. T'as pas rempli ta kryptonite, alors quoi, t'es invincible, c'est ça? Tu te fous de ma gueule, c'est contre les règles. Tu dois avoir une faiblesse. Ah, va voir le moustique, il pourra t'aider. Je mets les autres infos de ta fiche de perso sur ta carte. Dépêche-toi d'aller faire des missions de super-héros. C'est le seul moyen de remplir ta fiche de perso. Ok, va à l'école, retrouve le père Maxi. Et emprunte la ruelle. Oh la vache! On a tellement de quêtes secondaires, c'est terrible. On a trois quêtes secondaires. Non, trois quêtes principales, pardon, excusez-moi. Et deux quêtes secondaires. Récupère 10 œuvres yaoi. Et ben, on va faire peut-être le moustique en premier, non? Hein, il me paraît haut, mais il est faisable. C'est le moins loin, je pense. Les autres sont plus loin. Va à l'école, emprunte la ruelle pour te rendre au raisin. Je sais pas. Le moustique, 15. Qu'est-ce que ça veut dire, 15? 15, ça veut dire c'est l'XP que ça rapporte, sûrement. C'est-à-dire ça rapporte moins d'XP. Ah, on est dimanche! D'accord, il y a un système de jours aussi. Ok. Bon, bah on va faire celui qui rapporte le moins d'XP. Hein. Comme ça, on va faire les missions entre guillemets en ordre. Et découvre qui raye la voiture de Randy. Ça, on pourra le faire que quand il fera nuit, encore une fois. Allez, miné. Donc jusqu'ici, on s'est pas perdu. Ok, il y a du monde ici. Quoi? Aïe! Ok. C'est pas grave. On lance le combat, les gars. On va danser. Enfin, pas littéralement, parce que j'ose pas. On va cogner. Ça te plaît, CM1? Ah, mais putain, à chaque fois j'oublie de nous rattraper, c'est terrible. Lâche-toi à nouveau. Ok. Je vais faire ça. Le laser, au moins je suis sûr que je peux pas le foirer. C'est pas mal. 24 le dégoût. Oh. Et gros, j'ai encore me retrouver à terre, les gars. Moins 68. T'as fait popo dans ta grenouillère? Le vent apporte la justice sous la forme d'un cerf-volant.
Et je gagne plus 28. Profite. On va soigner. On prend le boulot. Oh, je peux enfin y aller, merci. Ok, je donne pas cher de moi, hein, les gars. Je donne clairement pas cher de moi, là je suis bloqué en plus. Oh là là, je peux rien faire. Peut-être lui. Peut-être lui, moins 50. Méga coup de poing. Comprends pas. Si seulement tu faisais autant d'efforts pour ton costume que pour cogner. Écoute, mec, t'as déjà de la chance que je sois venu. Remplis-le bien. J'ai pas mal de problèmes en ce moment et vous cognez. Aïe 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 aïe. Prends ça, CM1. Ok, ça va, l'euro c'est pas grand chose, y'a du dégoût. Annulez le nouveau. Ouais, je veux bien le cogner, mais là y'a un problème. Là je peux brûler mon frérot. Mais au final, est-ce qu'il mérite pas un petit peu? On va dire qu'il mérite. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal ça. Le plus puissant des cerfs-volants. Ok. Là, voilà ce qu'on peut faire. Je peux encore me soigner. Ou je peux l'attaquer, sachant que. Peut-être se soigner, non? Non, l'attaquer. Faut penser à attaquer un petit peu. Mais j'appuie, les gars. À moi de jouer. Je comprends pas. Ok. À plat et suture. Bravo. Ouais, je m'y attendais. Ok, et ça m'a repositionné sur la mauvaise case. Je risque de prendre ce que je mérite là avec sa capote. Hein. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il met dans sa capote, de l'urine, je suppose. Je crois que j'en ai perdu un, non. Fous-leur sur la gueule. Ok. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Il faut attendre que ce soit sur le signe. Ok, ça va les gars, bien ok, les ok, ok. Brûlés. Voilà ce qu'on va faire. On va soigner. On va soigner le frérot ici. Il est vraiment pas bien. D'accord, un coup pour attendre que ça soit bien au milieu. Et un autre coup pour appuyer directement sur A. C'est un petit peu terrible. C'est pas mal ça. Voilà, là fallait attendre. Vraiment, continue comme ça. Ah là là là. Faut que ça rentre en tête, hein. Je vais y arriver, les gars. Ça va rentrer, hein. Excusez-moi, mais je dois pisser dans un ballon. Ah, à toi, cul d'enfer. Encore ce coup. Ce coup est nul, de toute façon. Oh là là, je vois pas. Et si je me mets là? D'ici, je peux le toucher. C'est pas mal, on va faire ça. Ça a dû faire mal. Alors, mission accomplie. Ultime prêt. Ok. Bombardier 6ème. Allez, la il est mort. Colère va vous transformer en colonne de feu. Ah oui, d'accord. Faut de l'imagination, les gars. Et moi qui trouvais les cerfs-volants nuls. Ravi d'avoir fait changer d'avis, Super Craig. Qui t'a dit que j'avais changé d'avis? C'est le moment où les méchants regrettent leur choix. GG, ça, les mecs. On s'en est bien sortis. Tu as gagné. Une victoire. Et on va s'arrêter là, les amis. On a encore battu des 6ème. Les 6ème ne font pas le poids, plus que deux les gars, et on a un rang supplémentaire, et ça fait clairement plaisir. Attention, le chemin pour aller au raisin est bloqué par de la lave, mais la ruelle débouchant sur la rue principale est libre normalement, si j'ai bien lu. On va s'arrêter là, n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait plaisir les amis. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur South Park, et puis on va aller à l'école la prochaine fois, et on va faire beaucoup de choses. On va aussi aller parler aux moustiques, tout simplement. Je vous fais des bisous, à très bientôt, ciao ciao.